Salut à tous, ici Skilo, El Padre, et on se retrouve aujourd'hui pour Cobalader. Ouh, ça fait longtemps, hein? Ouais. Et elle est de retour pour Four, un nouveau titre. Four, comme un four. Ouais, comme un four si tu veux, mais ça veut dire, enfin, c'est plus la banlieue, quoi, ça veut dire. Ah ouais, ok. On dit je suis dans le four, je suis dans cette banlieue, il fait tellement chaud que oui. Voilà, quoi, donc... Oui. C'est ça. On peut comprendre comme ça, quoi. Bon, t'es prêt? Allez, c'est parti pour Four. Je donnais les capuches et je revendais les 10 des balles quand y'a les graves, je partais. Les gens dans ma Rolex me chuchotaient. Encore trop après temps pour leur donner leur. Et j'ai décidé, je l'ai décidé. Dolce Gabbana, Gucci, Thaïlande. Première place, je suis à CDJ. Aider tellement haut, je l'ai décidé. Tu dois le voir quand même, mais j'ai froid. Ce qui va te refroidir, c'est mon feu. Moi j'ai fait un vœu, et aujourd'hui je crois que c'est fait. J'ouvre des dollars, reste comme un paresseux. Récupérer l'argent qui s'en sera poussé. J'suis dans la finesse, dans l'ajustement. Ça te plaît? Et c'est dans sa bouche pour la finition. Dès que j'ai marqué, pas me tire. Sur la vie de ma mère, j'ai pas changé sa mère. L'originalité, noir et blanc. Et j'commence à le ressentir en arrière. À la base tout ça c'était pas pour nous. Mais bon, on refuse pas les cadeaux. Le disque dans le même emplâtré. Attendez, attendez, c'est que début. Faut pas lâcher, on va se les faire. Et quoi qu'il arrive, il faut pas que tu doutes. Regarde-nous, on a la peau sur les os. Mais de bas tout rouge, je devais mesurer. Mais bon, nique sa mère, on le fait pour le blé. Il me faut 100 millions pour que je sois comblé. La démonte, je béton du lit. Et c'est à ses vœux que je m'accroche. J'suis dans le refou cramé. On les descend de côté, nous refroidissent. J'suis dans le refou cramé. On les descend de côté, nous refroidissent. J'suis dans le refou cramé. On les descend de côté, nous refroidissent. J'suis dans le refou cramé. On les descend de côté, nous refroidissent. Ouais, un classique. Un classique? Bah ouais, les motos, wheeling, ah oui, dans ce sens-là, les sacs de cannabis, ouais. Les armes, puis de temps en temps, t'as un petit, tu vois, un pigeon. Pour changer. Ouais, ça arrive, d'être à la recherche d'images, enfin... Ouais. Bah ils filment un peu le... Un peu tout. Le quotidien du four, ouais. Si tu veux. C'est pour ça qu'ils ont pris le noir et blanc, à mon avis, hein. C'est cramé, quoi. Non, c'est quoi le lien? Quand c'est cramé, c'est noir. Ah ouais. Je sais pas, hein. Ouais, vu comme ça. Enfin, c'est original d'avoir pris le noir et blanc. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, le clip, c'est classique. Hein. Classique, la moto, pognon, enfin un peu tout, quoi. En même temps, bon. Il veut faire un clip sur le four, il a pas le choix, voilà, que de filmer le four. C'est vrai qu'il faut pas non plus ne plus du tout faire des vidéos sur les cités, hein. C'est pas ça le but. Hein. Après, ouais, c'est peut-être un peu facile. Non, mais il peut varier, parce qu'il nous a un peu amené aussi dans différents univers, donc... Ouais, mais récemment, ouais, c'est souvent des clips comme ça qu'il a fait, ouais, mais bon... Peut-être qu'il a pas envie de sortir du four. Il était marqué, il n'a pas oublié. Quoi. Ouais, bah, il reste là, de toute façon, hein. Je crois qu'il n'a pas déménagé à... Ouais, il habite toujours dans la cité. Il n'est pas sorti, je veux dire, avec... Je pense pas, honnêtement, je pense pas. En général, quand tu gagnes pas mal d'argent, bah, tu quittes. Hein. Mais oui, mais... Ouais. Parce que en plus, tu peux être en danger, parce que, je veux dire... Ouais, mais ils sont pas vraiment en danger, parce que c'est eux un peu les boss, quoi, tu vois. Ouais, tout le monde les respecte. Si t'es un rappeur et que tu viens de cet endroit-là, tout le monde est content que tu représentes leur ville, leur cité. Ouais, mais parfois la jalousie, le fait que t'as réussi, on sait pas non plus comment les autres réagissent, hein. Enfin, je suppose, hein, parce que je ne connais pas les cités, quoi. Hein. Mais c'est par rapport à ça, je veux dire, la sécurité pour soi-même, quoi. Ouais, enfin dans tous les cas, ouais, je suis pas sûr s'il habite toujours ou bien s'il habite pas, mais dans tous les cas, tu vois que régulièrement, ben, il y retourne, quoi. Et t'avais aimé le morceau, sinon, dans l'ensemble? J'ai aimé. Pourtant, c'est... Bon, c'est hard, quoi. Je sais bien que t'aimes pas trop... Non, mais ça va, c'est pas trop hard non plus, hein, je veux dire. Non, mais je veux dire, allez, c'est ce rythme répétitif qui revient tout le temps... Et alors, lui, il se met pas à chanter, ou tu vois, comme il fait parfois avec son autotune. Non, mais c'est pas là, un rythme. C'est toujours le même truc. C'est pas un rythme agressif, quoi. Parce que non, tu as des non, rythmes agressifs, répétitifs. Alors là, c'est fatigant, quoi. Ouais. Et quand c'est un rythme qui est, allez, qui est agréable, bah, pour moi, ça peut être sur toute la durée du morceau. Et comme j'aime bien Cobalader, voilà, hein, donc c'est aussi un de mes préférés, quoi. Hein. C'est pas encore vraiment. Au niveau des PNL et MMZ, mais j'apprécie quand même. Puis parfois aussi, les Cobalader nous sortent une chanson vraiment aussi, parfois en featuring avec quelqu'un d'autre, là, avec Maes, que j'apprécie aussi. Enfin, cette chanson, quoi. Le morceau matin. Oui, c'est ça. J'ouvre le terrain dès le matin. J'ouvre le
classique. Ça, j'aime bien. Donc, tu vois, c'est aussi un de mes préférés, quoi. Donc, pas de déception. Non, non, non. Même le clip, c'est... Non, je crois que c'est du nouveau dans le four, du coup. Non, c'est bien fait aussi d'avoir choisi comme ça le rétro noir et blanc. C'est aussi toujours une originalité de toute façon. Quoi. Et pour le coup, ça colle bien à l'ambiance du morceau, en fait, hein, quand tu regardes. Oui, ça aussi. Je sais pas, vu que le rythme est assez répétitif et qu'il répète parfois la même chose... ça colle justement à ce ton noir et blanc, ça fait un peu claustrophobe, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Et très dark aussi, hein, tu vois, très dark comme ambiance. Voilà, mais si maintenant un rappeur choisit absolument de faire des clips, des vidéos dans la cité, c'est pas faire autre chose que nous montrer des images comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Il sait pas nous montrer des plages avec des palmiers, des trucs comme ça, donc il faut quand même rester aussi... réaliste quoi, hein. Mais comme balader c'est aussi un de mes préférés, donc automatiquement ça passe mieux malgré tout quoi. Donc si ça aurait été un autre rappeur lambda, t'aurais peut-être pas aimé, alors c'est ça que tu veux dire? Peut-être. Ouais, donc peut-être. C'est le fait que ce soit qu'au balader. Voilà, c'est ça. Ouais. Je peux comprendre. Autrement, j'aurais dit de nouveau la cité, les motos, ça c'est sûr, mais ici. Quand balader il est là, je peux pas dire non, c'est nul, j'aime pas, hein, donc non, ça m'a pas déplu, parce que aussi c'est pas qu'on balader, voilà. Ce qui conclura la vidéo sur Co-balader, que t'as aimé, franchement je suis surpris, je pensais que t'allais pas aimer le morceau là. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un like. Et on se capte la prochaine fois. Je suis dans le refoucra, mais on les descend de côté, nous refroidissons. Je suis dans le refoucra, mais on les descend de côté.